Bonjour Québec, bonjour Evelyne, bonjour ma famille, bonjour mes amis. Je lance officiellement la fondation Raif Badawi pour la liberté. المؤسسة هي بالنسبة لنا استمرار الأفكار يدافع عنها زوجي رائف بدوي. أفكار تم سجنه بسببها بغير حق. نعمل كل ما بوسعنا لكي تصبح حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة ليست مجرد كلمات فارغة المضمون، وإنما واقعا يعيشه المواطن في كل البلاد العربية. في الوقت نفسه نريد من خلال سعينا لهذا التغيير احترام خصوصيات هذه الدول على الصعيدين الاجتماعي والثقافي. نحن لا نريد أن نفرض الإلحاد على أحد أو نروج له بأي شكل، إنما ما يعنينا هو احترام حرية الضمير تماما كما نحترم رغبة الذين يريدون ممارسة الديانة التي يختارونها. أريد أن أشكر جميع الذين وافقوا على الانضمام إلى مجلس الإدارة وإلى اللجنة الاستشارية بالتأكيد. سيبقى هدفنا الأساسي هو عمل كل ما هو ممكن للإفراج عن رائف حتى يتسنى له مواصلة مشواره ورسالته في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة التي هي من أسمى وأهم القيم الإنسانية بالنسبة له. Cette fondation représente une continuité des idées et de la pensée de mon mari Raif Badawi. Cette pensée, ce sont ces idées qui ont contribué, plutôt à cause desquelles on l'a mis en prison à tort. À travers la fondation Raif Badawi pour la liberté, nous allons entamer tout ce qui est offert, tout ce qui est possible afin que c'est l'idée de la liberté d'expression et la liberté de presse ne soient pas des mots vides ou bien des contenus vides, mais nous voulons que ça soit un droit qui soit fait par tous les citoyens dans tous les pays arabes. Et dans le même temps, nous ne voulons pas inciter les gens à être théâtré ou bien autre, parce que nous avons tout simplement des ambitions à travers lesquelles nous voulons faire des changements tout en prenant en considération les spécificités des pays considérés, que ce soit au niveau culturel ou au niveau social. Le principe fondamental de la liberté de conscience et de la liberté du culte doit être respecté à tous les échelons et à tous les égards. Je voudrais adresser un grand remerciement à tous ceux qui ont soutenu la fondation Raif Badawi pour la liberté, que ce soit au niveau de la comité d'aviseurs ou du conseil d'administration. Bien entendu, notre objectif principal, c'est de faire tout ce qui est possible afin que mon mari Raif soit libéré, afin qu'il puisse continuer son chemin de défendre la liberté de presse et la liberté d'expression qui, à mon avis, sont des valeurs humaines très très importantes et de grande valeur. Merci et bienvenue. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Merci Ensaf. Je ne te vois pas, tu es en arrière, mais je t'entends. Alors, je voudrais d'abord remercier celles qui viennent d'arriver. Madame Hélène Laverdière, qui est candidate ici pour le NPD dans cette circonscription. Anne-Marie Martin, directrice des communications d'Amnesty International. Et Monsieur Daniel Baril, qui est membre du comité aviseur de la Fondation Raif Badawi. Merci d'être là. D'abord vous dire que la date du 11 septembre s'est imposée non pas
pour ce à quoi cette date fait référence, mais c'est un pur hasard si nous tenons cette conférence de presse à cette date. INSAF a reçu avant-hier la médaille de la ville de Sherbrooke. Elle se trouve à Berlin pour rencontrer des dignitaires et officiels, surtout le représentant des droits humains aux affaires étrangères du gouvernement allemand. Je ne sais pas si ça a précédé la conférence de presse ou plus tard en journée. Pourquoi une fondation et de quoi s'agit-il ? Raïf en a rêvé. Aussi, INSAF et moi, comme nous sommes liés d'amitié et avons décidé de monter cette fondation, nous avons décidé de le faire en très peu de temps. Je vous avoue qu'il y a 2 mois, nous ne savions pas encore. Alors, je vais recommencer. Nous lançons donc officiellement la fondation Raïf Badawi pour la liberté, comme l'a mentionné INSAF Haïdar. D'abord, vous dire que la date du 11 septembre s'est imposée non pas pour ce à quoi cette date fait référence. C'est un pur hasard si nous tenons cette conférence de presse à cette date. INSAF a reçu avant-hier la médaille de la ville de Strasbourg pour Raïf et elle-même. Elle se trouve à Berlin pour rencontrer des dignitaires et officiels, surtout le représentant des droits humains aux affaires étrangères du gouvernement allemand. Si ça n'a été fait avant la conférence, ça va être fait dans les prochaines minutes. Pourquoi une fondation et de quoi s'agit-il ? Raïf en a rêvé lorsqu'il était en Arabie Saoudite et il en avait parlé avec INSAF. Et il en a rêvé aussi, INSAF et moi, comme nous nous sommes liés d'amitié, nous avons décidé de monter cette fondation et je vous assure qu'elle s'est montée en 2 mois à peu près. Toutes les portes se sont ouvertes très rapidement. Et nous avons décidé donc de monter cette fondation pour que son rêve devienne réalité et qu'il ait un peu de baume sur son cœur de là où il se trouve. La fondation est un centre démocratique pour la liberté d'expression et la liberté de presse dans le monde arabe. Elle vient soutenir et prolonge les idées défendues par Raïf Badawi, que vous pouvez lire dans son livre et dont les textes sont extraits dans son blog. Qui n'est plus en ligne, disons-le. La fondation se donne comme mission de contribuer à l'émergence de sociétés et de pays arabes libres par des échanges intellectuels pacifiques et des interactions culturelles avec le reste du monde arabe. La prise de conscience des droits humains universels, et là nous insistons sur le mot universel, ainsi que leur réalisation des droits humains sont au cœur de son action. La fondation offrira des informations, d'une part, sur les philosophies, les accords, les pactes universels dans le domaine des droits humains et de la démocratie, et d'autre part, sur les situations et les faits nouveaux propres à chacun des pays arabes et dans les pays occidentaux. Et nous insistons encore une fois sur le fait que la situation n'est pas la même dans tous les pays arabes et que nous tiendrons compte des faits nouveaux propres à chacun des pays. La fondation, dont le siège social est basé à Montréal, éduquera et formera la jeunesse ici, comme dans les pays arabes, à la culture des sociétés libres et ouvertes, aux libertés civiles et à la démocratie. Elle considère comme primordiale la liberté d'expression et la liberté de la presse et prévoit décerner une fois l'an un prix des médias Raïf Badawi. Autrement dit, le centre d'intérêt de la Fondation est de travailler principalement dans le domaine de l'expression et de la liberté de presse dans le monde arabe. Ses préoccupations premières sont les droits humains et les sociétés ouvertes et la jeunesse. La Fondation Raïf Badawi pour la liberté organisera des ateliers, des conférences, des séminaires, des colloques pour soutenir la recherche fondamentale effectuée par des chercheurs et des professeurs d'université. Elle entretiendra également des liens au niveau international pour coopérer avec des institutions étatiques, bien entendu, et des organisations de la société civile, dont des ONG, bien entendu, afin de communiquer les résultats de recherche au plus grand nombre. L'idée est de créer une plateforme ouverte dans le monde arabe, à l'intention des journalistes et particulièrement des blogueurs, afin qu'ils aient accès à des outils disponibles et répertoriés en ligne, pertinents et utiles à leur travail, voire au moins à la simple émergence de ce métier dans leur pays. Nous souhaitons travailler dans le respect des différences étatiques et des cultures. C'est pour cela que nous avons créé un comité aviseur composé d'intellectuels, d'essayistes, d'écrivains et de journalistes provenant des 4 coins de la planète. Le conseil d'administration ainsi que le comité aviseur
dirigés par Elham Manea, ont été choisis et triés justement pour leur connaissance et leur expertise des pays arabes, du Yémen, de la Tunisie, de l'Égypte, du Maroc, du Koweït, etc., mais également des sociétés et des pays occidentaux. Un mot sur nos membres honoraires, je ne peux pas passer cela. Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix 1984, Monsieur Jimmy Wales, cofondateur et président de Wikipédia, et Monsieur Salman Rushdie, écrivain et essayiste, qui d'emblée ont pris très peu de temps pour accepter d'être membre honoraire de la Fondation. Dans le cadre des élections fédérales canadiennes, je lancerai un appel aux partis politiques fédéraux. Aujourd'hui, j'interpelle directement Monsieur Trudeau, Monsieur Thomas Mulcair, Monsieur Gilles Duceppe, Madame Elisabeth May et Monsieur Stephen Harper, et les invite à prendre position en faveur des droits des blogueurs et des journalistes emprisonnés pour avoir exercé leur métier. Je les invite à s'engager clairement pour la liberté de presse et à proposer des mesures concrètes pour la libération du blogueur Raif Badawi et en passant de Mohamed Fahmy. Ici, pas d'excuses, il est canadien. Que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, se porte à la défense de ces citoyens canadiens emprisonnés, mais que ce prochain gouvernement soutienne aussi les familles immédiates des réfugiés politiques. Merci beaucoup, Madame Abitbol. Je laisse sans tarder la parole à Marc-Antoine Poutier, président de la clinique juridique Juripop. Bonjour à tous. Juste avant, j'aimerais également saluer la présence de Madame Monique Posé, qui est représentante du Bloc québécois et candidate dans Repentigny aujourd'hui. Merci également d'être ici, Madame Averdière, à nouveau. Alors d'abord, une citation tirée du livre de Raif Badawi. « La liberté d'expression est l'air que respire tout penseur, ainsi que le combustible qui enflamme sa pensée. Au fil des siècles, les nations et les sociétés n'ont progressé que grâce à leurs penseurs. » Juripop est très fier aujourd'hui de s'associer à titre d'avocat, mais également à titre d'organisme militant pour les droits humains et pour les libertés fondamentales, à l'émergence et à la création de la Fondation Raif Badawi. On est tout particulièrement fiers que la Fondation nous ait choisis pour nos valeurs et pour ce que l'on peut faire pour cette Fondation. Évidemment, il s'agit d'abord d'une Fondation canadienne qui sera établie ici à Montréal et dont les statuts prévoient au maximum un montant de 30 % de sources gouvernementales. Évidemment, nous sommes également à faire les démarches auprès de l'Agence du revenu du Canada afin d'obtenir un numéro de charité, ce que nous espérons pouvoir faire dans les plus brefs délais afin que les gens puissent contribuer à l'émergence et à la mission de cette fondation. D'abord, sur les valeurs de Juripop et celles de la fondation. Évidemment, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de religion, ce sont des libertés fondamentales que l'on défend chez Juripop depuis sa création, mais plus encore, le droit de prendre parole, le droit d'avoir une cause. Juripop, avant toutes les causes que l'on prend, c'est aussi le droit d'avoir une cause. Et c'est tout à fait le cas ici, le droit de parler, le droit de s'exprimer. Moi, j'ai 26 ans, je m'exprime ici et je ne suis pas en prison. Alors, ça m'apparaît tout à fait fondamental qu'un jeune, qui n'est pas bien plus vieux que moi, qui tient des propos très importants dans des pays où on doit tenir ses propos, puisse jouir de la même liberté que celle dont nous jouissons ici. Avocats sans frontières et le Barreau du Québec, sur l'aspect plus juridique du dossier de M. Badawi, ont récemment soumis un mémoire à la Cour suprême de l'Arabie saoudite où, essentiellement, ce que l'on nous dit, c'est ce pays s'est rendu coupable du non-respect de ses règles nationales et également des règles internationales sur trois aspects fondamentaux. D'abord, celui d'avoir accès à un procès équitable. Ensuite, la liberté d'expression et finalement, le respect des conventions internationales interdisant la torture. Il y a quelques exemples frappants dans l'histoire canadienne qui nous interpellent où le gouvernement a pris ses responsabilités. Pensons à Nelson Mandela et pensons à Aung San Suu Kyi qui, évidemment, ont été libérés à suite de pression du gouvernement canadien, comme quoi, quand ce gouvernement se mobilise, on est capable de faire de grandes choses et de belles choses. La mission de la Fondation, qui est celle de l'éducation et de la promotion de la liberté de presse et de la liberté d'expression partout dans le monde, mais particulièrement dans les pays du Moyen-Orient, ne peut faire autrement que faire écho dans la présente campagne électorale et ensuite dicter des gestes concrets du gouvernement. Si l'on croit à la liberté d'expression ici, on doit faire le nécessaire pour qu'elle existe partout.
En ce sens-là, nous espérons que non seulement cette fondation permettra l'accomplissement de cette mission dans les pays du Moyen-Orient et partout dans le monde, mais qu'également, elle fera en sorte que le prochain gouvernement, lui, s'accorde à nos valeurs de démocratie, de liberté d'expression, de liberté de conscience et de liberté de religion. Et en ce sens-là, vous pouvez être assuré de l'appui indéfectible de Jury Pop et des avocats, des bénévoles qui composent son administration jusqu'à ce que cette mission soit accomplie. Merci. First, to tell you that the date of September 11 was imposed not for what this date refers to. It's a pure coincidence if we hold this press conference on that day. ENSAF was in France, in Strasbourg, one day ago to receive the medal of the city of Strasbourg. She traveled to Berlin to meet with dignitaries and officials. Why a foundation and what is it about? This foundation will be headquartered in Montreal. It is a liberal center for freedom of speech and freedom of the of press, freedom of conscience for in the Arab world, Middle East and North Africa, all the Arab world. It aims to contribute to the realization of a free Arab society and countries in peaceful intellectual exchange and cultural interaction with the rest of the world. Fundamental is the awareness and achievement of universal human rights. It is primarily a center for democratic freedom of expression and freedom of press in the Arab world. We cannot repeat it enough. The foundation extends the idea defended by the Raif Badawi in his blog, ideas that you can read in his book. The foundation was Raif's dream, and ENSAF and I, we thought it would be fabulous to put in place a foundation to make his dream come true. The foundation informs on universal agreements, and we insist on that universal approach. Convenience and philosophies in the field of human rights and democracy on one hand, as well as country-specific situations and developments on the other. And again, we insist on the universal approach as well as country-specific situation. The foundation educates and trains young people here and in the Arabic world, as well in the Arabic world, in free and open society in matters of civil liberties and liberalism. It enhances the capability of professional and citizen journalists as well as bloggers and supports their work and working conditions. It considers freedom of speech and freedom of the press essential and plans to institute the annual Raif Badawi Media Award. In other words, the foundation center is to work primarily in the field of freedom of expression and freedom of the press in the Arab world. Its concern is human rights and open society. The foundation will organize seminars, conferences, and workshops to contribute to fundamental research by university professors and scientists. It will nurture relationships with both government and with government and non-governmental organizations in order to disseminate the results of those studies. The central idea is to create an open platform, virtually and physically, in the Arab world and make it available to journalists and particularly bloggers so they can count on useful and practical tools in their occupation, or to create the conditions where journalism can at least flourish. We are committed to act in respect of cultural and state differences. That is the exact reason we created a diverse advisory committee composed of intellectuals, writers, essayists, and journalists around the world. The board of directors and the advisory committee, led by Elham
Manea have been selected and sorted for their specific knowledge of Arab countries and their structure, as well as their knowledge of Western issues. Liberalism and secularity from Yemen, from Tunisia, Egypt, Morocco, Kuwait, etc. An appeal to federal political parties. I want to take this opportunity to call upon the federal political parties to take action in the context of Canadian federal elections. So today, I am asking Justin Trudeau, Mr. Thomas Mulcair, Mr. Gilles Duceppe, Mr. Stephen Harper, and Mrs. Elizabeth May to take a stand for the rights of bloggers and journalists imprisoned simply for doing their job. I invite them to commit clearly in favor of the freedom of the press and to put forward concrete measures for the release of the blogger Raif Badawi and Mohamed Fahmy. Here, no excuse is acceptable. He is Canadian. The next government should absolutely defend his Canadian citizens imprisoned, but also the next government should support the immediate families of political refugees. Thank you. Merci, Madame Adelbol. Merci. Avant de clore, je céderai plutôt la parole à Julien David Pelletier, qui est directeur exécutif de la clinique juridique Juripop. Just let me start with a citation from Raif Badawi's book, which is very explicit in the context. Freedom of speech is the air that breathes any thinker, as well as the fuel that lights up his thinking. Throughout centuries, nations and societies have progressed only thanks to their thinkers. It was published on August 12th on the website Al-Hiwar Al-Mutamadin. It is first, let me say, it's first a true honor for Juripop Legal Clinic to have been solicited by the foundation to create it legally. Juripop's institutional values has always been that there needs to be a space for public debate, but also to the fundamental right to be able to make your case in the context of the rule of law. Raif Badawi is in prison now for his ideas, which constitutes an unforgivable infringement on his human fundamental rights. Our lawyers at Juripop had a mandate to create the foundation under the federal law. According to its bylaws, no more than 30% of its budget will come from governmental funding. The foundation will also be seeking to obtain a charity number at the Canadian Revenue Agency, a process that can take up to a few months, but that we hope that will be very fast enough so that people can contribute actively to that foundation. The memo that was prepared by Lawyers Without Borders with the support of the Quebec Bar and Lavery Lawyers and well-known experts from around the world that are specialized in Islamic law and international law displays that the lack of respect, that displays a lack of respect by Saudi Arabia of both his national and international obligations in three particular fields, actually. First, the right to a fair trial and due process, the right to freedom of speech and opinion, and the absolute prohibition of torture and to cruel, inhuman, and degrading treatments, all three fields of which was victim Mr. Raif Badawi, and he still is. So we join our voice because it is part of our values at Juripop that people can make their case according to the rule of law. There has been many examples whereby Canada was involved in liberating opinion prisoners. We can name Nelson Mandela, by which Brian Mulroney was a true leader in liberating that political prisoner, or more recently, Aung San Suu Kyi, who, by Canada's action, has contributed to liberate Mrs. Suu Kyi. Therefore,
we hope that the next government of Canada, whichever it is, will act positively and with true determination to end Mr. Badawi's nightmare and get him freed from prison. Thank you. Oui, je voudrais remercier Fab Web TV qui a assuré tout l'aspect technique de la conférence, qui n'a pas hésité une minute à se lancer dans l'aventure avec nous. I want to thank Far Web TV for the technical support, but special thanks in Germany to Christoph Jumpelt from the Deutsche Welle and Olaf Kellerhoff from the Friedrich Naumann Foundation, both in Germany, for their wonderful support since the idea emerged. Je les remercie, Christoph Jumpelt et Olaf Kellerhoff de la Friedrich Naumann Institute Foundation en Allemagne, de nous avoir soutenus depuis le début de cette aventure. And I also thank Chris Gill from the webmaster who is in London. I must tell you that everybody in the world had worked in this press conference. Tout le monde a mis la main à la pâte à cette conférence de presse, et je veux remercier Jury Pop du fond du cœur de nous avoir accompagnés depuis le début, la clinique et Alain Golin qui est présent ici, l'avocat de la de Jury Pop, plutôt l'avocat, la partie légale, avocat légal juridique de Jury Pop. Et je dois remercier particulièrement les membres du conseil d'administration et le comité aviseur qui n'ont pas hésité une seconde. Parfois, ça prenait une demi-heure pour avoir une réponse, de s'être lancé dans l'aventure. Vous allez trouver la liste au début, à la porte, mais il y a sur le site web une liste à jour parce que d'autres personnes se sont ajoutées dans les dernières 24 heures. Merci. Lia Lévesque, de la presse canadienne. J'ai remarqué que M. Badawi avait une fonction dans la fondation même. Vous ne trouvez pas que ça peut être interprété comme un risque pour lui, que ce qu'il soit directement associé à la fondation, ça ne pourrait pas lui nuire même? Alors, vous mentionnez qu'il n'est pas au courant de cette initiative-là. Il le sera dans les prochaines heures. Il est président honoraire. Ce qu'il prône dans son livre, c'est exactement l'objet de cette fondation-là. Alors, il ne s'écarte pas. Il est emprisonné pour cette raison-là. Il subit pour cette raison-là. Nous sommes ici au Canada, nous sommes dans des pays occidentaux et nous devons continuer à le défendre par rapport à toutes les idées qu'il prône. Simplement, avant de terminer, là, ne pas oublier, au fond, fondamentalement, l'appel que l'on lance aujourd'hui, c'est un appel aux dons également à la population. Le site Internet est www.fondationraifbadawi.org. Et finalement, peut-être profiter de la présence de différents partis politiques aujourd'hui pour lancer un défi au ralliement des troupes et que ces dons-là, plus particulièrement, puissent peut-être venir de candidats engagés dans cette cause et que ça puisse peut-être comme ça, partout au Canada, créer une vague d'appui initiée par ceux-mêmes qui aspirent à de hautes fonctions démocratiques ici au Canada. Je vais rajouter que chaque dollar, bien sûr, compte absolument et qu'il y a un lien sur le compte PayPal sur le site Internet pour des dons individuels. Donc, les citoyens de par le monde peuvent déjà contribuer. I could add maybe in English that we are appealing to people's generosity to give to that foundation, but also we challenge people who are seeking political roles to contribute also to that foundation in the context of those federal elections. Merci beaucoup. Merci. Merci. أنا كمان حابة أشكركم بدوري كزوجة رائف بدوي. أشكر إيفلين. أشكر جوليان. Merci tout le monde.